C'est l'histoire de deux filles qui vont tomber amoureuses. Une qui est orpheline, Kelly qui est une enfant possédée par sa grande sœur Lisa. La fille bizarre qui écrivait son arbre l'invite chez elle. L'endroit est un peu glauque, il y a des dessins partout d'une fille aux iris noirs. Par un regard plus méchant, plus en mode je vais te tuer, déguerpille. C'était assez compliqué parce que j'ai pas du tout l'habitude d'employer ce genre d'expression du visage. À la fin, il y a un exorcisme parce que Andrea veut faire libérer le démon de Kelly. Si, c'est ça. Qu'est-ce en fait ? Tu vois, tu fais des gestes. Et quand tu bouges, tu fais un bruit d'expiration, hein, ok ? Mais du coup, le démon rentre dans Andrea. Le psy veut aider plus tard Andrea Vieille. L'intérêt pour le jeune, c'est de vraiment se mettre dans la peau du professionnel. Et le retour qu'il en donne, c'est qu'il joue le jeu, qu'il est attentif à l'écoute et surtout qu'il nous donne toute sa confiance. Et dans le contexte actuel, social notamment, ensemble, c'est plus facile d'avancer. Et surtout, ça leur permet de comprendre qu'ensemble, la réalisation se fait au travers de la prise de son, de la prise d'image, de l'écriture, du scénario. Et quand tu fais ça, toujours regarder parce que tu... J'ai appris énormément de choses. C'est pas lourd, mais ça pèse. C'est génial. Merci beaucoup et j'espère que vous allez me faire kiffer.